L'image qu'on te montre en plus, c'est ça. Donc les gens ont peur. On n'est pas encore assez nombreux. C'est pour ça que moi je milite et que je me tue à expliquer aux gilets jaunes, c'est un samedi par mois tous à Paris. Arrêtons de nous disperser. Convergeons tous un samedi par mois tous à Paris. Pendant que vous êtes sur les ronds-points, vous avez 3 semaines pour vous cotiser pour louer un car. Allez-y, on peut y arriver. 1 million, 2 millions de personnes qui sont au même endroit, le gouvernement tombe. Le seul rempart, je te donne la parole tout de suite, le seul rempart du gouvernement aujourd'hui, c'est sa police. Et c'est sa police qui tient. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et qu'ils arrivent à nous disperser. Ils arrivent... Moi, je l'ai vu samedi dernier. Hein. Ils ont tout fait pour que les gens ne se rassemblent pas. Tout fait. C'est-à-dire qu'ils cassent les petits groupes, ils nasent les petits groupes pour que les gens ne se rassemblent pas. Mais si on est 2 millions, s'il y a des cars qui arrivent par la porte d'Italie, par la porte de Montreuil, par la porte de Bagnolet, par la porte de la Chapelle, si les ambulances, ils arrivent aussi les premiers. Parce que regardez aujourd'hui, l'ensemble des corporations est folle de rage. L'ensemble des corporations souffrent. Les pompiers, ça va pas. Les VTC, ça va pas. Les infirmières, ça va pas. Les urgences, ça va pas. Les notaires, ça va pas. Les avocats, ça va pas. Les policiers, ça va pas. Les policiers, ça commence à pas aller. Moi, j'ai 2 compagnies de CRS, qui, et ça, vous l'avez pas su, qui se sont mis en maladie. Ben justement, ils ont que le droit de se mettre en maladie. 2 compagnies entières. Ils étaient fous, les mecs, là-haut. 2 compagnies entières. Donc, ça commence aussi à se pendiller. Le jour où on est encore plus nombreux, le jour où on arrive à faire que ces connards de chefs de syndicats qui ne pensent qu'à leur gueule acceptent que leurs militants convergent le même jour en même temps, au lieu de faire une manif le 15 septembre, le 20 septembre, le 21 septembre, le 23 septembre, en disant nous on gueule de façon sectorisée. Non, tout le monde souffre aujourd'hui. L'ensemble du peuple souffre. Et c'est pas moi qui le dis. J'ai des postiers, ils ont fait 15 mois de grève. 15 mois de grève. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait. Plus d'1 an sans toucher son salaire. Et on dit que c'est tout va bien.